Bonjour, je m'appelle Cédric Blanpin, je suis professeur à l'Université libre de Bruxelles. Ma recherche est libre, effectivement, c'est le mot d'ordre du FNRS, la liberté de chercher. J'ai commencé comme chercheur FNRS et j'en suis fier. La recherche n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose de dynamique. Et donc, si on s'enferme dans un canevas, ben, on ne peut pas progresser. La technologie évolue. Par exemple, dans mon domaine, le séquençage des cellules uniques est quelque chose que personne n'avait écrit dans ses projets de recherche il y a 5 ans. Et qui, aujourd'hui, si on ne fait pas ça, bien, on passe à côté d'une information capitale. Bien entendu aussi, il faut s'adapter par rapport au domaine de recherche. Par exemple, on avait une question qu'on pensait être essentielle et tout d'un coup, quelqu'un d'autre qui nous a devancé publie la réponse. Eh bien, il faut pouvoir s'adapter très rapidement pour pouvoir répondre à la question suivante. Parce que c'est ça qu'il y a de beau en recherche, chaque réponse entraîne 10 nouvelles questions. Il faut être avant tout curieux, il faut vouloir et pouvoir s'adapter très rapidement aux connaissances. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Curieux, s'adapter, je ne sais plus, je suis parti dans tellement... s'adapter très rapidement aux connaissances de notre recherche et aux connaissances apportées par les autres groupes de recherche et aussi évidemment au développement technologique dans ce monde qui évolue très rapidement.